Si les premiers décors réalisés par Maurice Denis n'est pas non plus une commande pour un intérieur, mais est conçu comme une proposition pour aussi le Salon des Indépendants. Donc c'est un décor qui comporte quatre panneaux. Donc là, je vous en présente deux. Sur la diapositive suivante, il y en a deux autres. Voilà, on reviendra, donc, mais c'est juste pour vous montrer cet ensemble décoratif qui est conçu en deux temps. Donc, dans un premier temps, Denis va concevoir donc, des panneaux, comme il l'explique sur le livret du salon. Donc, c'est un décor pour une chambre à coucher avec deux titres de mois de saison, enfin de mois, le mois de septembre et soir d'octobre. Et en fait, ces quatre panneaux composent un cycle. Un grand cycle décoratif autour de sa fiancée, Marthe Meurier, qui est ici présente, donc assise sur une chaise, entourée de ses demoiselles de compagnie. C'est presque le terme qui convient, puisqu'elle semble leur faire face. Et tandis qu'au fond, on voit des cavaliers qui pourraient tout à fait évoquer des chevaliers, comme dans l'amour courtois du Moyen-Âge. Donc Maurice Denis va mettre en scène d'une manière assez distanciée et très poétique son amour pour Marthe Meurier et aussi ce long cycle d'une année qui est l'année des fiançailles. Donc le mois d'octobre présente la fiancée en mouvement tenant une gerbe de fleurs et une gerbe de lys et déjà franchissant le petite barrière qui enfin c'est le petit les petits arcs métalliques qui bordent la pelouse, donc elle est en voie sur ce chemin on va le voir, est assez sinueux et qu'on retrouve dans plusieurs tableaux de Maurice Denis dans ses cycles symboliques justement sur le destin féminin à travers les fiançailles et le mariage. On la voit ici s'avancer plus tard.